داریم میگین دلیل کافی برای طلاق نیست خانم. اگه دلیل دیگه داریم بفرمایید. چه دلیل دیگه؟ شوهرتون معتاد باشه، کتکتون بزنه، خرجی نده. نه خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم دیگه دادخواستمو پس میگیرم. حاضر بیای؟ نه خیر، من حاضر نیستم. En fait, c'est une scène qui est que en soi-même aide beaucoup l'acteur parce que tu veux revendiquer ton honneur un peu, tu as quelque chose à dire et tu es en train de lutter pour ce qui est pas justifiable quelque peu par rapport aux lois en Iran. Donc en tant que femme, tu sais que tu es en train de te battre devant le juge qui n'est pas, enfin, pas trop de ton côté. Et puis en même temps, tu es en train de provoquer ton mari pour qu'il bouge un peu, pour qu'il fasse ce que tu as envie. Donc c'est une scène qui m'a beaucoup aidée. Il avait ce moteur à l'intérieur. Il y avait ce stress parce que c'était 4 minutes de suite et on ne pouvait pas couper parce qu'on fait très attention aux négatives en Iran. Et puis on a fait 3 ou 4 prises entières, toutes réussies, je me rappelle très bien. Mais à part ça, c'est pas une scène très spéciale pour moi parce que vu que la caméra est fixe, on est fixe, on a quelques dialogues. Mais je vois qu'il y a beaucoup de fait parce que toujours c'est cette scène qu'on fait passer comme relais du film. Plutôt les scènes dans la cuisine, ça me plaît plus. C'est parce qu'on change de place et puis parce que je fume sur la terrasse, ça c'est quelque chose qui se passe pas en Iran. On n'a pas le droit de montrer une femme qui fume dans le cinéma. Et puis c'était assez subtil le moyen qu'on a trouvé, que je fasse dos